Ciao e benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e oggi facciamo una revisione, un ripasso. Donc aujourd'hui on fait une révision d'une chose assez basique, mais que peut-être vous avez besoin de revoir un peu ou de connaître si vous ne l'avez pas encore étudié, c'est-à-dire les articles définis. Avez-vous déjà téléchargé l'e-book sur les 15 erreurs que vous ne ferez plus en italien? Si vous ne l'avez pas encore fait, ici dans la info box de la vidéo, vous trouvez les liens à mon site internet pour les télécharger. C'est gratuit. Allora, gli articoli determinativi in italiano sono un po' di più di quelli che esistono in francese. Donc on a un peu plus d'articles définis en italien qu'en français. J'ai pensé de faire comme toujours une comparaison entre les deux langues. Et on peut commencer avec quelque chose que je trouve assez similaire. Le féminin. Per il femminile, in francese, l'articolo singolare, donc l'articolo défini singulier, c'est la, la maison, che pluriel devient les maisons. In italiano abbiamo la, la casa, e al plurale le, quindi le case. On continue avec les masculins. Pour les masculins, en français, vous avez les et par exemple les livres, et au pluriel les livres avec S. Attention parce que ici, parfois, j'entends mes élèves utiliser l'article les pour les masculins en italien. Mais non, parce qu'on a vu tout à l'heure que les in italiano est femminile plurale, comme per les case, les maisons au pluriel. In italiano l'articolo maschile singolare, quello diciamo più comune, è il. Quindi il libro, i libri. Questo è l'articolo più comune. Pourquoi je dis que ça c'est le plus commun? Parce que il y en a d'autres. In italiano noi abbiamo anche l'articolo lo, che al plurale diventa gli. Lo, gli. Quando usiamo lo invece di il? Donc, quand est-ce qu'on doit utiliser lo au lieu de il? Attention parce qu'ici on a plusieurs cas un peu spéciaux. Allora, usiamo lo quando la parola inizia con una S più consonante, donc avec un S plus une consonne. Lo studente, lo scienziato, lo stivale. Attention, la règle c'est seulement pour les noms masculins, pas pour les noms féminins. Donc, par exemple, la studentessa, c'est la, donc aucun souci, aucune règle spéciale. Studente, S-T, on ne peut pas dire il studente, c'est lo studente. Même chose pour les mots qui commencent avec Z, Zeta. Quindi, zucchero et zaino. Ici, j'ai mis deux exemples, le zucchero, le sucre, et le zaino, le sac à dos. Quindi Z. Ici, c'est la Z, toujours au masculin, qui fait que vous devez utiliser l'article lo. Après, on a d'autres cas. Ici, j'ai mis encore deux. PS, PS, quindi per esempio, psicologo, lo psicologo. Et gnocchi, que c'est quelque chose que je pense vous connaissez. C'est un type de pâte, un type de pasta fresca. Gli gnocchi. Gli gnocchi, c'est au pluriel. Lo gnocco, ok, oui, ça existe, mais ça veut rien dire. On mange pas un gnocco. Donc, gli gnocchi. Tutte parole maschili. Mais alors, quand est-ce qu'on utilise l'apostrophe? Parce qu'on l'a aussi en italien, l'apostrophe. Comme en français, on utilise l'apostrophe quand les mots commencent pour voyelle. Quindi, se la parola inizia con una vocale, le vocali sono A, E, I, O e U. Du coup, on a parlé avant des consonanti. Tous les restes des lettres de l'alphabet sont consonanti. Le vocali sono queste. Le parole che iniziano con una vocale vogliono l'articolo L'apostrofo. Al maschile e al femminile. Vediamo degli esempi. Al singolare, l'amico, l'esercizio, maschili, l'amica, l'isola, femminili. Al plurale, on a vu déjà che l'article féminin pluriel c'est les, du coup
les amiques, les isolés. Mais attention, parce qu'au masculin, le pluriel de l'apostrophe, c'est gli. Donc, ouais, gli amici, gli esercizi. À propos des exercices, je vous propose un esercizio. Quindi, un esercizio per voi. Laissez dans les commentaires ici, sous la vidéo, les articles pour ces mots. Allora, le parole sono penna, tavolo, bicchieri, errori, acqua, occhi, scherzo, sedie, orologio e pasta. Faites attention au singulier, au pluriel, les exceptions, donc comment les mots commencent et tout ça. Je serai heureuse de vous lire dans les commentaires et de vous corriger ou vous dire si la réponse est correcte. Quindi scrivetemi la risposta e gli articoli corretti per queste parole nei commenti. Si vous l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like se il video vi è piaciuto. Sono anche su Facebook e Instagram se avete queste reti sociali. Grazie e al prossimo video. Ciao!